nous sommes sans rival, parce que tous les studios des meilleures radios du monde sont en jumelage avec La Brise FM. L'éditorial. Halloween et les Haïtiens. Le Halloween a été joyeusement fêté le mardi 31 octobre écoulé à Miami. Qu'est-ce que le Halloween? C'est une fête qui n'est pas de chez nous sous les tropiques, mais plutôt d'origine anglo-saxonne. Halloween ou nuit de l'horreur. On joue à se faire peur. Les enfants en raffolent. Donc également, le petit écolier venu d'Haïti ou né de parents haïtiens. C'est le traditionnel trick or treat. Les enfants en bande vont de maison en maison en répétant cette formule trick or treat. Et on leur donne des bonbons. Cependant, ces dernières années, ici, la prudence est de rigueur et les parents sont vus accompagnant eux-mêmes un peu partout leur progéniture habillée comme les plus horribles créatures du cinéma hollywoodien, telles Dracula, Nosferatu, ou, plus près de nous, Freddy Krueger. Cependant, le 1er novembre, contrairement à Haïti où c'est congé obligatoire de la Toussaint ou fête des saints, le 1er novembre n'est pas jour férié ici aux États-Unis, et les Haïtiens ne sont pas tellement portés à faire la fête à ce jour-là. Le rendez-vous préféré, ce sont plutôt la Noël, surtout le Thanksgiving, dernier jeudi de novembre, donc à bientôt, avec surtout la grande vente au rabais du lendemain du Thanksgiving ou Black Friday, connu jusqu'en Haïti. Et puis bien sûr aussi le 2 janvier, jour des aïeux, dans le calendrier haïtien. Mais ici, les Haïtiens fêtent aussi le 4 juillet, fête nationale des États-Unis. Toutefois, la soirée du 31 octobre, ou Halloween, est l'une des plus rentables pour le business d'animation populaire. En tout cas, à Miami, qui revendique chaque année davantage son caractère de métropole touristique internationale. On connaît déjà le succès du marché de l'art. Ici, l'art international avec le Miami Design District, devenu le plus grand rendez-vous dans ce domaine. Cependant, ce succès même ne serait pas aussi flamboyant sans l'entrée en scène d'une autre entité et qui semble avoir la fête dans le sang. Nous disons les Hispaniques. Aujourd'hui, les Hispaniques, ces derniers, sont partout, dans tous les quartiers, même jusqu'ici les plus réservés, qu'on trouve un bar-restaurant hispanique. On y consomme, mais on y danse aussi le soir. Rien que de la musique sud-américaine, bien sûr. Comme une véritable invasion, mais réalisée, attention, c'est important, dans le respect de la loi et l'ordre. Première conséquence, l'espagnol a presque fini déjà de dominer l'anglais sur le marché de Miami. Si vous parlez anglais, on peut ne pas vous comprendre. Toutefois, quelle ne fut notre surprise de découvrir qu'au département de la police de Miami Shore, par exemple, les renseignements destinés aux résidents sont en trois langues. Et devinez laquelle, la troisième? Eh bien, le créole pour les Haïtiens. Ce n'était pas toujours ainsi, disons, il y a quelques 30 ans. Mais revenons au Halloween. On accourait déjà, il y a quelques 30 ans, à Miami Beach, sur la même avenue Lincoln Road, mais à l'époque, c'était beaucoup plus pour un carnaval bien spécial, le Gay Pride, ou la fête des homosexuels, attifée de manière des plus extravagantes. C'était un beau carnaval. Cela avait du succès, mais pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus succès, plus foule. Car aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les touristes, mais c'est toute la ville qui débarque. Tous les âges, y compris les bébés en poussette. Le Halloween d'aujourd'hui, à Miami Beach, rappellerait plutôt quelque chose comme
le carnaval de Venise, et qui d'ailleurs, dit-on, avait le même but, c'était attirer les touristes. Mais avec aujourd'hui un plus. Oui, une population locale qui elle-même y participe, qui elle-même aime faire la fête. Les Hispaniques, de toutes origines. Il n'y a pas question de nationalité là-dedans. Et d'ailleurs, les deux boîtes qui semblent avoir le plus de succès, qui étaient le plus en concurrence le long du Lincoln Road, sont l'une cubaine et l'autre mexicaine. Par contre, le cubain semble avoir le dessus dans un domaine, c'est la musique, le jazz nouveau, dans une combinaison salsa-jazz et qui est en train de monter en flèche, comme on a vu aux deux derniers concerts jazz at Moca, programmés chaque dernier vendredi du mois à la Plaza de North Miami. Mais c'est dans tous les États-Unis que le jazz, mais c'est pas seulement du jazz, c'est matinée de salsa. Le salsa jazz, c'est partout aux États-Unis que ça monte. Mais vous me direz, où sont les Haïtiens dans tout ça? Eh bien, nulle part. Ah non, au boulot, au travail, Dieu merci. Et c'est évidemment le plus important, vu ce qui se passe actuellement dans notre pays, Haïti, pratiquement en train de disparaître, et où, comme vous savez, c'est le sauve qui peut la vie. Or, il y a une autre catégorie, deux compatriotes en train aussi de débarquer ici, ceux-là qui ont quelques moyens et qui, comme nous voyons faire les Hispaniques, qui sont en train de prendre possession totalement de la ville, qui eux aussi, puisqu'ils ont quelques moyens, pourraient manifester, disons, plus utilement leur présence. Or, cela, on n'en entend point parler. Est-ce la même politique d'exclusion sociale qui est déjà également à la base de ce qui se passe chez nous, de cette disparition du pays natif natal? Récemment, justement, prenons un exemple. Une exposition d'artisanat haïtien a bénéficié ici, à Miami, de la plus grande chance possible, figurant à deux des adresses les plus importantes de la métropole floridienne. Et je ne vous dirai pas le nom de ces deux adresses, je ne veux pas non plus désigner qui que ce soit du doigt, mais cela sans aucune suite, parce que la majorité des exposants et exposantes considère sans doute, comme cela est toujours le cas chez nous, que c'est une fleur qu'on leur fait à eux-mêmes, et non comme une ouverture sur toute une communauté, sur leur pays, sur leur peuple. Mais attendez, comme la vie est chère ici, elle est chère pour tout le monde, eh bien on a vite brûlé ses économies, si on ne cherche pas plutôt à les utiliser de manière utile, comme les Hispaniques. Souhaitons donc que cette leçon sera comprise. Eh bien voilà qu'on sera tous ensemble l'an prochain, à Halloween. Le vent pousse, oui, pousse, pas Camperin. Pousse la sans cesse, quel que soit votre âge. C'est la brise FM qui caresse votre visage.